Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Donc aujourd'hui, j'ai une info à tester, en fait, voilà. On va essayer de faire de la graine ou de la graine blanche, on verra bien. Donc c'est testé. Pour ça, je vais faire un petit achat en hameçon. Donc toujours dans cette série-là. On va essayer de faire en taille. Ouais, en taille 10. On va voir. Bon. Voilà, donc on va dépenser un petit peu. On va aller manger, voilà, ici. Voilà. Alors je me suis dit que ça va changer. Alors est-ce que ça va marcher après? Je rappelle, on n'est pas très très haut niveau. Donc c'est en 50-80. Voilà. Je pars par là. Voilà, ici. Ok. Donc là. Là, voilà. On va mettre le 10. Et vers le terreau. Voilà. Que j'ai pas encore tous les appâts. Voilà. Donc 1,75 m à peu près. Voilà. On va poser ça. On va monter la deuxième canne. Hop, on va changer le flotteur. L'hameçon. Voilà, 1,75 m, on va essayer. Plus la météo est parfaite. J'ai cru qu'elle était partie. Voilà. La canne 3. Donc, toujours pareil, hein. Changer le flotteur. Donc ça serait assez sympa si on pouvait faire de la brème. Ça changerait, on commencerait à faire petits trucs très sympas. Et après, pourquoi pas faire du ferme sur de la brème, si ça marche. On va voir. Qui ne tente à rien, comme on dit. Voilà. Donc c'est parti. Ça meurt sur la 2. On va voir. La grenouille. Bon. Parce qu'on est venu chercher. Chercher de la brème ou de la brème blanche. Bon. Donc sur la map, ça donne ça. Voilà, on est ici. Voilà. Bon, je me suis foiré. Ah. Bon. Alors la 3, je ne l'ai pas lancé assez loin. Alors d'habitude, la brème, tout ça, on l'a fait à la canne de fond.
Mais bon, savoir que c'est aussi faisable en canne à coup. Moins évident. Mais c'est pas impossible. Voilà. Bon, ce qui est embêtant, c'est qu'on possède pas d'amorce. Mais bon. On va faire sans, on va se débrouiller. Voilà. Ah, déjà, c'est joli. Alors, ça donne quoi? Ah, ben voilà. Bon, après, il faudra un peu plus gros. Parce que ça paye rien. Rien du tout. La 3, touche de brenne. Quand le flotteur est couché comme ça, c'est une touche de brenne. Ouh, il y a de la brenne, mais trop petit. Alors, est-ce que j'ai été un peu petit joueur avec la taille d'hameçon? Ça paraît bien. Pas voulu prendre trop gros. Bon, à la limite, on va peut-être se rattraper avec les grenouilles. On va voir. Hop, la 3 est partie sur le côté. On la pêche. Bon, par contre, ce qui m'embête, c'est que je suis pas très riche en. On n'a pas comme ça. Va pas les gaspiller non plus, quoi. Oui. Vers de terre, ouais, c'est bien, mais. Elle est basse. Ah, brème blanche, ça c'est bien, ça paye. Voilà, c'est prometteur, enfin, ça peut le faire. Si les appâts sont pas trop chers par rapport à ce que je récolte, parce que là, il faut se rembourser les 3 hameçons. Et par la suite, peut-être acheter des apéros en magasin. Puisqu'on ne peut pas les récolter. On n'a pas la compétence encore. Là, une, deux, ça fait quoi? Pas des touches très franches. La 3, oui, 40. Oh! C'est pas cool, ça. Bon, enfin, il y a des poissons, mais voilà, là il est parti. Voilà, ça c'est ça qui m'intéresse. Alors, ah, encore petit, hein. Je cherche pas des monstres, mais la brème un petit peu taillée, ça serait bien.
Sauf qu'il a fait un truc bizarre, ce Fulton. Voilà. Allez, ça c'est sympa. Allez, petit truc taillé. Voilà, c'est ça qu'on est venu chercher. La petite graine de 800 grammes. Voilà. Va peut-être pas nous rapporter des millions. Mais c'est bien bien pour notre level. La 2, la 3 me fait quelque chose de... Outil ou outil pas? Une. Oh. Oh oui, ça c'est beau. Alors, c'est de la brème tout court. Et oui, ça c'est beau. Voilà, c'est ça. Bon, je suis assez content, le spot a l'air d'être encore actif. Monter la compétence. Voilà. Le terreau, c'est ce qu'on a besoin. Bon, ça se déroule plutôt mal. Plutôt pas mal. Voilà. Hop, là, c'est une brème. Pour une toute petite. Si ça pouvait être une brème blanche. Après, j'ai hésité à prendre des hameçons plus gros. Je me suis dit, je veux pas avoir de monstre. Peut-être que dans la prochaine vidéo, je prendrai. Une taille, peut-être une taille 8 pour voir. Et petit à petit, puis en même temps, on va faire une collection d'hameçons. Voilà, comme ça, on aura un peu pour toutes les situations. Parce que pour l'instant, je suis pas trop le fier parce que bon, on n'a pas les bolognaises. Ah, ça paye. Ça, c'est bien. Mais quand on aura les bolognaises, ce sera déjà un peu plus simple. Voilà, même si on tombe sur du gros poisson, on aura du fil, je veux dire, pour travailler le poisson, quoi. Ouais, c'est sympa. Allez, hop, une petite chromine. Bon. On va pelleter, on va continuer. Allez, allez, un verre de terreau. Très bien. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là? Je vais vérifier un truc que j'ai oublié. Je sais plus, ça va me revenir, c'est pas grave. Voilà, canne 2. Voilà. Ah, c'est beau encore. On est sur du 1 kg. Allez. Voilà. Oh. Beau kilo bien passé. Voilà. Ah ben voilà, c'est ça, c'est le trophée, savoir
trophée grenier. Est-ce qu'on l'avait... Ouais, on l'a tué. J'étais en train de me dire qu'on faisait de la grenouille en même temps. Un petit trophée grenouille au passage, pourquoi pas. Hein. Ouais, je prends tout. Allez, un petit verre de terreau, si c'est possible. Notre petite histoire, c'est pas mal. Sans un mort, sans rien. Un autre level. Ouais, ça c'est encore beau, ça. Oui, ça dépasse le kilo. Allez. Oui, ça c'est beau. Allez, allez, petit junior. Hop, là. Mince, là, trop. Allez, on est encore sur du un bon coup. Encore sur du lourd. Bah. Hop. Allez, viens. Viens avoir, papa. Allez. Voilà. Tâche terminée. C'était quoi? Attraper une graine de moins de 2 kilos. Ah, d'accord. Ok. 2,4 kg. C'est super. Voilà. Bon, pas beaucoup plus gros, hein. Parce que après, pas non plus que. Il n'y a pas du gros matériel non plus. Donc 2,4 kg avec un hameçon 10. Bon, on est bien, on est bien, très bien. En fait, je pensais être juste, mais non. Non. Oh là, il y en a deux qui sont partis en même temps. Un tout petit brème qui m'intéresse pas du tout. C'est bon, ça, à moins d'avoir une quête de café encore. Quand il demande des brèmes, c'est pas des tout petits. Donc cela. Je les garde en attendant, mais bon, je vais rien en faire. Ouais, voilà. J'avais vu ça tout à l'heure, mais je n'avais pas cité encore dessus. Donc ça, c'est pareil, ça paye pas. Plaquen 3. Ah, dommage. Alors, plaquen 2. Ah, j'étais un peu... Il faudra que j'apprenne à être patient. On va continuer ici, on peut avoir un verre de terreau. Donc là, on a toutes les conditions réunies. On a la pluie, on a le spot, il faisait nuit. Bon, c'est toujours pas tagué, mais... Ah, pourtant, il était couché. Parce qu'il faut savoir que les touches de brème, ils soulèvent le flotteur.
en fait. Ce qui fait qu'à chaque fois, on a le flotteur qui se couche, quoi. Parce que la brème étant un poisson de fond. Alors ça, c'est pas de la brème. Une grenouille. Voilà. Limite, les petites grenouilles, ça me dérange moins. Parce que si on a une quête de café, ça c'est faisable. Mais par contre, les petites brènes non taillées, c'est de la perte directe. Si je le vends au marché, ça vaut 5 centimes. Et les quêtes de café, il n'y en a pas. Et comme ça, il n'y en a pas. Par contre, ça paye. Enfin, ça paye. On doit être à un ou deux silver, la brème qu'on vient de prendre, quoi. Donc, d'un autre côté, on peut être content. On va voir ça à la fin. Voilà. Voilà, un verre de terreau, ça m'intéresse. Voilà. Oh là, je l'ai fait voler celui-là. Ah, brune blanche, ça c'est beau. Après, le trophée brune blanche, il peut être tout à fait zap. Pourquoi pas? C'est dans le corps. Crois qu'il a 800 grammes, quelque chose comme ça. Donc, pour notre matériel, ça va poser aucun problème. Donc, pour l'instant, si on prend la brème par trois, voilà, on a pas mal d'équité, pas mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ouais, c'est pas mal. Avec les petites brèmes blanches et quelques brebis, on devrait s'en sortir. Devrait être dans le positif malgré l'achat des troisième sons. On va voir. Voilà, c'est pas de la grenouille. Ah, bon, j'allais dire c'est pas de la grenouille vu la touche. Comme ça, rien donné. Ah, donc, s'en fiche. Voilà. Alors, la journée, ça a moins mort, forcément. Au niveau de la brèche. Voilà, ça m'intéresse. Deux. Ah non, c'était la une. Désolé. Bon, on m'a loupé les deux. Je vais vous le faire vite. Voilà, regarde, tiens. C'est bien. Un verre de terreau, c'est une brème possible. Voilà. On va compter ça comme ça. Gratuit, en plus. Donc certains diront que je suis grippe-sous, mais à notre level, on ne peut pas se permettre. Oh, c'est gros, ça. Non, ça va. Mais dans le 1 kg 5 au moins, ou 2 kg. Allez, rentre dans le panier. Allez, fais plaisir, papa. Non, 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 non. Non, reviens.
Allez. Allez. Bon. Tu veux pas? Ah non, on repart pas. Allez, reviens. Voilà. Allez. Voilà. Allez, 2,3 kg. C'est beau. Hop, on se replace. Voilà. Ça fait deux belles brèmes. Entre 2,4 kg tout à l'heure, 2,3 kg ici. Ça, c'est bien. Je pense qu'il va y en avoir pas mal qui vont tester le spot à brème ici. Oh, une petite chute pourtant. J'ai la 2 qui est couchée. Allez. Voilà. Oh, ça joue lui encore ça. Il y a un bon kilo. J'étais pas loin. Allez, un petit verre de terreau, s'il te plaît. Allez, allez, allez. Fais plaisir à papa. Allez, ben non. Ça gosse, ça. On est déjà à 28 poissons quand même. Pour un spot découverte. Ben, allez, on en fait deux. Ça s'arrête à 30 la vidéo après. Ce sera bon. Deux petits poissons. Ça va pas être compliqué. Comme ça, on va pouvoir faire le bilan au bout d'une demi-heure de pêche. Voilà, la 3 est bon. Voilà. Alors, hop, ça. Qu'est-ce que ouais. Allez, encore un. Alors. Est-ce que la canne une va Qui va partir en premier? La une ou la deux? Ah, fond. Ah ben c'est la deux. Ah, voilà. Au pire, on va finir sur un petit truc sympa en plus. Un truc d'un kilo cinq. Ah non, 1 kilo. Bon. Ça va du tout. Voilà. Hop, voilà, on a 30 poissons. Hop. En plus, l'avantage, c'est qu'on est tout près bah, du magasin, enfin du piquet, tout ça. Bon. Alors, je vais regarder ça, mais il y a peu de chance qu'il y ait de... Ah, peut-être une. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave, faire champ de lacune, gardons, chevenne, la plaque, non. Bon. Voilà, c'est ce que je vous disais, souvent les très petites quêtes de brème. Voilà, bon, alors on va faire le bilan ici. Alors,
voyez, les brumes de 2 kg 4 9 silver. Là, on a refait 9 silver, 1 kg 6, 6 silver. La brume blanche que je disais, c'était pas mal, 5 silver. Là, 1 kg 2, 4 silver. 1 kg 100, 4 silver. 1 kg 4 silver. Voilà. Alors, attention, oh, je tirais la louche 60, oh, 66, et c'est pas mal. 66 silver pour 30 pièces. On a remboursé nos trois hameçons, puisque nos trois hameçons nous ont coûté 36. Donc voilà. Ouais, bah c'est pas mal. Bon. Moi, je vais vous laisser pour cette vidéo. Pour ceux qui désirent nous rejoindre, toujours pareil. Vous êtes dans le jeu. Vous appuyez pour dans le canal de discussion si vous voulez changer. Vous appuyez sur l'engrenage. Vous attendez que ça charge ici. Voilà. Vous tapez Ermite. Voilà. Et vous cliquez sur Ermite & Co. Voilà. Nous sommes là. On accueille tout le monde. Tout le monde est bienvenu. Allez. Je vous reprends pour le prochain épisode. On va certainement continuer à la brème. Et puis, je vais essayer de voir pour en profiter en off pour essayer de pelleter pour les vers de terreau. Voilà. Je vous dis à bientôt en espérant que la vidéo vous ait plu.